en couture. អង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនការនៅតទៅនេះផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមមេធាវីតំណាងដើមនិងក្រុមនីតិទូតសិទ្ធិសូមបន្តការតាំងធំរត់ឯដាល់ចំពោះសាក់សីរូបនេះ Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le témoin de répondre à mes questions. Je voudrais que vous repreniez. Vous avez reconnu tout à l'heure, vous avez expliqué que lorsque on était venu vous chercher, votre femme et votre enfant pleuraient. Parce qu'en général, si on emmenait les gens à la pagode pour les exécuter. Mais vous, en fait, c'était pour vous recruter comme miliciens. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous nous avez également dit, excusez-moi, merci. Vous nous avez également dit que vous avez eu très peur lorsque deux armes, deux soldats avaient pointé leur fusil sur vous alors que vous étiez, je crois, dans la rizière parce qu'ils pensaient que vous étiez charme. គេភួងខ្ញុំនឹងឲ្យគេគេថាគោមិនចាមឯខ្មែរទេឲ្យខ្ញុំភ័យពេកគឺថាអាចចាញ់នោមស្មើគ្នាមកដល់ហ្មង Si vous aviez été cham Si vous aviez été cham, que vous serait-il arrivé? Pourquoi avez-vous eu tellement peur? ហើយបានជាលោកថាគេចាត់ទុកលោកថាលោកជាជនជាតិចាមពួកខ្ញុំជួយដីជាមួយចាមដល់ជួទៅខ្ញុំទៅជួសស្មៅជួសស្មៅទូស្មៅមកហ្នឹងគេភ្ជួងហ្មងគេភ្ជួងពងកខ្ញុំនេះឲ្យខ្ញុំលើកដៃលើកដៃហ្នឹងអាចមកពាក់កដាលមកខោអត់ហើយ Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque C'était vraiment très dangereux d'être cham. ហើយនិយាយបានថាកាលណាយើងជាជនជាតិចាមហ្នឹងគឺយើងប្រថុយមានគ្រោះថ្នាក់សម្បើមណាស់អាចនិយាយចឹងបានទេកាលសម័យហ្នឹងបាទបើសិនជាសម័យនោះបើខ្ញុំជាជនចាមចាមវិញក៏ដូចជាជនសះចាមដែរខ្ញុំហ្នឹងដូចគ្នា Nous avons rappelé tout à l'heure les gens que vous connaissiez, que vous aviez vu entrer à la pagode. Il y avait votre frère adoptif, Jean Chenot. Il y avait
votre cousin, et vous nous avez également dit que vous pensiez qu'ils avaient été exécutés. Est-ce que ces gens étaient des voleurs ou des assassins pour qu'être exécutés? Alors, pourquoi, d'après vous, a-t-on emmené à la pagode pour les exécuter les familles entières, comme les gens de votre famille, Tol, Lim Sung, le cousin Deus, Yuhor, avec des enfants aussi, s'ils n'étaient pas des criminels? ណែយកទៅសម្លាប់នៅទីនោះនោះណែតែគាត់នឹងមិនមែនជាអក្រិតជនអីផងនោះតែបើតាមយោបល់លោកវិញលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរហេតុអីក៏នាំយកគាត់ទៅសម្លាប់អញ្ចឹងសតិមិនឆ្លើយតបទេសតិមិនមានកាតព្វកិច្ចធ្វើក្តីសន្និដ្ឋានអំពីអង្គហេតុណាមួយដែលមេធាវីដាក់ឲ្យទៅទី Merci, Monsieur le Président. Je voudrais savoir si le témoin qui a vu des gens entrer à la pagode a vu des gens sortir de la pagode. ខ្ញុំបាននៅភូមិដែលបាននៅភូមិនៅផ្ទះនៅសបែងទេគឺខ្ញុំនៅទៅក្នុងព្រៃធ្វើចការធ្វើដាំដូចជាបន្លែទៅលួងអណាក់ទៅឡាយទៅល្ពៅទៅស្អីខ្ញុំចាំថាកោទេមិនមែនខ្ញុំនៅតាមផ្ទះទេខ្ញុំមកខែបងខ្ញុំអត់ផ្ទះម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចដឹងថាខ្ញុំហ្នឹងរែងអ្នកតូនឹងចេញមកវិញឬមិនចេញខ្ញុំអត់អាចដឹងទេ Quand vous étiez à la période où vous alliez manger à la cantine, à côté de la pagode, est-ce que vous avez vu entrer des provisions pour les prisonniers? Est-ce qu'on a fait rentrer de la viande, des légumes, du riz, puisqu'on avait fait entrer des prisonniers? Je ne sais pas si vous avez vu entrer des prisonniers. Quand on est venu vous chercher pour vous engager, est-ce que vous auriez pu refuser d'être une longue épée? Qu'est-ce qui vous serait arrivé si vous aviez refusé? Oui, Monsieur le Président, j'objecte à la deuxième partie de la question. Sur la première partie, pas de problème, mais sur la deuxième, problème. Merci, Monsieur le Président. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Je vais donc reformuler plus simplement. Est-ce que vous aviez la possibilité de refuser de devenir longue épée lorsqu'on est venu vous chercher? Rồi nơi cầm đàn về cho mặt bàn nơi chủ mũi tê còn nơi các bài kia nắng chọc sợi nó còn nơi các bài nông đai nhóm còn nơi bài chọc sợi nắng nơi chọc sợi nắng nhóm bàn tay cho nông đàn về nông cầm đàn về nông tê à bậc nhóm mình tay nơi chọc sợi nắng cô nhóm sạp đây cô nhóm sạp đây nhóm ở đâu thế tại chỗ non nó cứ đại cá cứ ta làm chẳng được món est-ce que vous avez porté l'habit noir ta cá non lúc mà miền sầm liệp bẹ khăm máu rồi coi chẳng nà nhóm liệp bẹ thò mặt đá ở miền khăm máu ở miền ấy chúng cá lịch mãi tới chúng cá lịch thỏa mãn đa qua tẩy mê tới qua ấy tới Quand vous habitiez dans la même région, puisque vous avez toujours vécu dans la même région, il y avait déjà beaucoup de populations cham dans les villages. Est-ce que les cham étaient plus riches que les autres Cambodgiens? Cham n'ont rien à voir. Cham n'ont rien Oui, je veux savoir si les Cham étaient plutôt plus riches que les autres habitants du village. Je ne sais pas si les Cham étaient plus riches que les autres habitants du village. Mais quand vous étiez jeune dans les villages, on pouvait déjà identifier les chams, puisque les femmes avaient les cheveux longs, ils portaient le foulard, et ils n'avaient pas la même langue. Donc dans les villages, vous deviez bien rencontrer des chams. Đôi khi nhiệt thì thấy lúc cao nó bật cắt bàn chuột bộ chàm, chân chết chàm hơi, chẳng mấy có lúc mình đắng. Xã thay các bạn tuần hỏi top, tổng chơi hình lục. J'ai un problème sur la manière dont ma consoeur pose ces questions. Avant de témoigner, d'expliquer comment reconnaître les chams, il aurait été peut-être plus judicieux de faire d'abord parler le témoin et lui poser la question de comment on pouvait les reconnaître. C'est pour éviter que ce soit le conseil qui témoigne, que ce soit le témoin qui le fasse. Monsieur le Président, ça n'est pas la même question. Je n'ai pas demandé aux témoins quels étaient les critères d'identification des chams dont on a déjà parlé à d'autres séances. Je vais poser une autre question, savoir si effectivement il y avait déjà des chams dans les villages et s'ils les connaissaient puisqu'ils avaient une identification publique. Ça,
ចាមនឹងពីដើមអត់មាននៅក្នុងភូមិខ្ញុំទេនៅភូមិសាច់តោភូមិកោបានហើយខ្ញុំមិនបានស្គាល់ឈ្មោះចាមនឹងទេដែលស្គាល់ទេពីដើមមកនឹងគឺគាត់នៅភូមិឆ្ងាយពីខ្ញុំ Est-ce que les Cham qui sont arrivés dans votre village sont donc arrivés comme réfugiés d'autres régions et peut-être de Phnom Penh? ឧទាហរណ៍អាចថាមកពីភ្នំពេញអីជាដើមឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំបានអត់ដឹងថាមកពីភ្នំពេញឬមកពីទីណាទេសំណួរក៏ប៉ុន្តែអត់បានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងការឆ្លើយរបស់សាក់សីមិនដឹងថាកំណត់នៅពេលណាឲ្យជាក់លាក់ទេបាទ Je remercie les avocats de la défense de donner des processus pour poser des questions, mais je considère que j'ai la liberté de poser mes questions telles que je les pense. Et ma référence est très précise. C'est dans certains cas, avant ou après le régime du Kampuchea démocratique. Monsieur nous a répondu qu'il n'y en avait pas dans son village avant qu'ils étaient dans un autre village. Je vais lui poser une autre question. Après la prise de Kampuchea, est-ce que vous avez été inquiet par l'arrivée des nouveaux réfugiés dans votre village? ភៀសខ្លួននៅក្នុងមកដល់ភូមិលោកដែរឬទេលោកព្រួយបារម្ភទេពេលឃើញជនភៀសខ្លួនមកដល់ភូមិលោកនោះខ្ញុំបាទគ្មានព្រួយបារម្ភអីពួកខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអីដែរតែគេបញ្ជូនមកខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអីដែរខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ទេ Vous nous avez dit qu'au moment des Khmer Rouges, la vie avait été très dure pour vous et que vous n'aviez presque rien à manger. Est-ce que vous n'avez pas pensé que ces réfugiés Cham qui arrivaient en plus dans le village allaient aussi manger les grains de riz, les peu de provisions que vous aviez à manger? Est-ce que cela vous a inquiété? Je suis un peu plus de temps. Pourquoi alors avoir eu tellement peur quand les miliciens, les soldats ont pensé que vous étiez Cham? Non, je n'ai pas dit que vous aviez peur des Cham, j'ai dit que vous aviez eu très peur quand les gardes vous avaient mis les mitraillettes en pensant que vous étiez Cham. Pourquoi avez-vous eu si peur? គេស្មានថាលោកជាជនជាតិចាមនោះលោកខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសួរលោកថាហេតុអីក៏ខ្លាចសម្បើមមែនគ្រាន់តែគេចាត់ទុកថាលោកគិតថាលោកជាជនជាតិចាមមិនចាមប៉ុណ្ណឹងនោះបាទបើសិនជាគេចាប់ខ្ញុំទៅ តែច្រឡំថាជាចាមគោខ្ញុំគោខ្ញុំគោស្លាប់ដែរមិនហួរអីស្លាប់ដូចគ្នាណា
Je veux revenir sur votre cousin que vous avez vu emmené à la pagode quand vous étiez à la cantine. Vous avez vu aussi emmené Son Tol, mon frère adoptif, Lim Trung, son cousin, avec leur famille et les enfants, et un autre cousin qui s'appelait Yu Or. Est-ce que eux, ils étaient Cham? ចឹងខ្ញុំសួរលោកថាតើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំរៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងសុទ្ធតែជាជនជាតិចាមទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងណាជនជាតិខ្មែរ Alors pourquoi ont-ils été emmenés à la pagode ចឹងហេតុអីបានគេនាំពួកគាត់ទៅអូវ៉ាត់ jamais revenu ហើយតែលោកនិយាយថាពួកគាត់ហ្នឹងមិនដែលត្រឡប់ចេញពីវត្តហ្នឹងវិញទេខ្ញុំស្លាប់អត់ទាន់បានpourquoi ont-ils été emmenés à la pagode s'ils n'étaient pas cham គាត់នឹងទៅវត្តនោះបើសិនជាពួកគាត់ទាំងអស់នោះមិនមែនជាជនជាតិចាមផងនោះខ្ញុំបាក់អត់ដឹងដែរអត់ដឹងថាគាត់មានរឿងអីផងខ្ញុំអត់ដឹងតែឃើញគេបដើមកខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ខ្លួនទៅតោះបងអញគឺចាប់យកមកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែរឿងអីក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរVous avez vu aussi d'autres familles avec des femmes, des enfants entrer dans la pagode. Est-ce que les autres, on pouvait être sûr qu'ils étaient cham? ខ្ញុំអ្នកនឹងឃើញជួនជាតិខ្មែរទេពងបបោមិនមែនបាយទេបបោបោរាវរាវខ្លោកមកជួនជាតិខ្មែរទេVous avez vu les Khmer et les Cham rentrer par la pagode et vous avez su qu'ils étaient exécutés dans la pagode. Hay ka nong nung lok dang tha puok kwat nung nung trou ke samlap neu knong ti tle wat nung ta lok dang chang rư ko mon dang te khnyom ot ban dang te la thak ma tan khlai top som chei nu me dui kong tumon.ខ្ញុំបានស្ដាប់សម្ដីសាក់សីបានឆ្លើយរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែចម្លើយនេះក៏មិនខុសពីចម្លើយមុនដែលសាក់សីបានឆ្លើយអញ្ចឹងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំទាស់នោះគឺជាសំណួរច្រំដែលហើយយ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមលោកប្រធានពិនិត្យទៅលើពេលវេលាដោយសារវាលើសជា20នាទីហើយបើសិនជាបន្តទៀតក្រែងលោខាងយើងខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាច្រើនហើយនឹងមិនអាចបញ្ចប់ពេលនេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណបាទអរពេលវេលាហើយហើយយើងឲ្យ10នាទីឥឡូវឡើង25នាទីហើយណាបាទអរពេលឡើងឲ្យគួយចុះលោកចក្រមលោកមកឡាវែងមានទំនួលអីចង់សួរដល់សាក់សៃរូបនេះទេបើមានសូមអញ្ជើញOui, merci, monsieur le président. J'ai effectivement quelques questions à poser à ce témoin. Monsieur, j'ai compris de votre déposition que pendant la période du Kampuchea démocratique, vous avez été menacé avec des armes à deux reprises. Une première fois, mais je ne sais pas si c'est dans un ordre chronologique, parce que on a suspecté que vous étiez Cham. Et vous avez dit qu'il y avait d'autres Cham qui travaillaient ce jour-là avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quand cela s'est produit et où cela s'est produit et qui vous a menacé? Monsieur le Président,
Vous n'avez pas vu le visage de ces personnes. Est-ce que vous êtes renseigné pour savoir qui étaient ces personnes? J'ai bien compris, monsieur, mais quand on se retrouve braqué avec une arme, je pense qu'il est légitime d'essayer de comprendre qui vous a braqué. Est-ce que vous avez posé des questions? Est-ce que vous avez cherché à savoir qui vous avez pointé avec une arme? Bien, monsieur, vous n'étiez pas tout seul dans ce champ. Est-ce que vous avez demandé aux personnes qui étaient autour de vous si elles avaient reconnu les jeunes gens qui portaient ces armes? Est-ce que vous avez posé des questions ou est-ce que ça vous était complètement égal? ខ្ញុំអត់បានសួរគេព្រោះគេទូស្មៅគេជួស្មៅក្រោយខ្ញុំមកដល់មុនគេកន្លែងហ្នឹងអត់មានមនុស្សទេមានតែមានតែដើមម្លប់ឈើដើមខៅដើមពលប្រាំងហ្នឹងម្ដើមហើយគោនោះពលប្រាំងនឹមហើយគេក៏អត់ទាន់មកដល់ទេគេមកជួងខ្ញុំមុន Monsieur, si j'ai bien entendu correctement ce que vous avez dit, vous avez dit qu'il y avait des tchams ce jour-là dans le champ. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui était arrivé aux tchams qui étaient avec vous dans le champ? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce que ces tchams, qui apparemment étaient des vrais tchams, ont subi quelque chose? ខុសត្រូវគ្នាប្រហែលជាប្រហែលជាមួយម៉ាត់ជាងហ្នឹងខុសពីកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងណាពួកគេចាប់ឯងនោះទេមិនមិនចាប់នៅកន្លែងដែលខ្ញុំទូស្មៅនឹងទេមានទាំងចាមមានខ្មែរហ្នឹង Donc les tchams ont été arrêtés. Combien de tchams ont été arrêtés? Et à quel moment cela s'est-il passé? Les tchams ont été arrêtés.
je vous demande pas à quel moment dans la journée, je vous demande à quel moment. Est-ce que c'était au moment où Wat Ottrakhon avait été transformé en centre de sécurité? C'était en 75, c'était en 76, c'était en 77, c'était juste avant la fin du régime de Kampuchea démocratique? Quand est-ce que c'était? Wat Ottrakhon, nous sommes dans le plus d'ail, dans le chenam, Bien, je vais vous demander de faire des efforts, monsieur, parce que ici, nous avons besoin d'informations précises. Tout à l'heure, monsieur, vous avez dit que quand on vous a arrêté, on vous a pris pour un cham. Que vous avez dit que vous n'étiez pas de cham. Et vous avez également indiqué que d'autres personnes qui étaient présentes ont dit que vous étiez khmer. Donc quand vous dites que vous étiez tout seul, c'est incohérent avec les précédentes déclarations que vous avez faites. Alors, est-ce que oui ou non, il y avait d'autres personnes avec vous, près de vous, quand on vous a menacé avec une arme? ពួកអ្នកដែលមកចាប់ខ្ញុំហ្នឹងមកជួងខ្ញុំហ្នឹងគេនិយាយខ្លួនគេមកទេលោកគង់សំរន់បាទមិញនេះខ្ញុំបានស្ដាប់ការធ្វើសង្ខេបរបស់លោកចក្រមឡាវែងថាស័ក្តិសិទ្ធិឆ្លើយបញ្ជាក់ថាមានគេសួរលោកថាជាចាមហើយមានគេឆ្លើយថាគាត់នឹងជាខ្មែរទេថាមានអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែតាមការស្ដាប់របស់ខ្ញុំជាភាសាខ្មែរនៅទីនេះគឺមិនដែលបានស្ដាប់ឮថាស័ក្តិសិទ្ធិមានអ្នកផ្សេងទៀតបញ្ជាក់ថាជាខ្មែរទេគឺគាត់សួរមានគេអ្នកមកចាប់នឹងគេភ្ជួងគាត់សួរគាត់ហើយគាត់នឹងអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹងអត់មានអ្នកផ្សេងណាមកនិយាយថាគាត់នឹងជាខ្មែរទេតាមសក្ខីកម្មរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិកន្លងមកនេះបាទសូមអរគុណលោកស្ដាប់ទៅទៅលើក្រោយហើយដល់ពេលលោកសួរព្រោះលោកនៅមានពេលសួរលើក្រោយទៀតដល់ពេលសួរលោកសួរទៅយើងបញ្ហាប្រមាត់បានដងហើយរឿងការដំណើរការរបស់ចក្រមសុខសួរហ្នឹងសូមជួយលោកចក្រមសង្កលវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងដោយសារបញ្ហាតាកតូននឹងការសង្ខេបអង្គហេតុអាចធ្វើឲ្យសាក់សៃឆ្លើយទៅច្រឡំបានជាខ្ញុំធ្វើអន្តរាគមន៍នេះបាទសូមអរគុណតែលោកមិនគប្បីធ្វើដូច្នេះទេចាំដល់វេនលោកទៅលោកកត់អត្រាចំណុចហ្នឹងទៅសួរបញ្ជាក់នៅពេលដែលលោកមានឱកាសសួរសាក់សៃឬក៏គោដៅដែលលោកត្រូវសួរJe précise aussi qu'il y a des transcripts, hein, que ces transcripts qui servent à vérifier ce qui a été dit au cours des audiences. Monsieur le témoin, au moment où ces faits se produisent, vous êtes déjà, vous avez déjà été enrôlé comme militaire ou milicien. Quel est votre statut à ce moment-là ? Est-ce que vous êtes un citoyen ordinaire ? Bien.Donc, à l'époque, vous nous dites que vous travaillez à Pim-o-Kandal, si j'ai bien noté. Ça se situe à combien de... À quelle distance de Wat Ottrakhon, de Sambo? À quelle distance ça se situe? À ce moment-là, quel était votre domicile? Où habitiez-vous?
Je n'ai pas très bien compris les différents domiciles que vous avez pu avoir, monsieur. Vous avez dit à un moment que vous avez dû quitter votre maison à Sambourmer. Vous avez dit que vous êtes allé à Pimchikan. À quel moment êtes-vous allé à Pimchikan? Donc, si je comprends bien, pendant toute la période du Kampuchea démocratique, votre domicile a toujours été dans la commune de Sambourmer. Aujourd'hui, vous n'êtes plus domicilié dans cette commune. Depuis quand l'avez-vous quitté? Le deuxième épisode où vous êtes retrouvé menacé avec une arme, c'est lorsqu'on a essayé de vous enrôler de force. Alors, vous avez dit dans votre procès-verbal d'audition que vous avez fait partie du groupe des longues épées. Aujourd'hui, vous nous dites que vous n'en avez pas fait partie. Quelle est la vérité? Pourquoi vous retire-t-on d'un groupe si vous ne faites pas partie de ce groupe? Vous dites, je ne fais pas partie du groupe des longues épées. J'ai quand même habité avec eux pendant 2 mois. Et ensuite, on m'a retiré du groupe. Donc, si on vous retire du groupe, c'est que vous en faites partie. Ou alors, je me trompe, je n'ai rien compris. Monsieur, on vous retire de quel groupe?
Et quand vous montez la garde à l'entrepôt ou à l'origine, vous le faites en quelle qualité? Vous n'êtes pas citoyen ordinaire. En quelle qualité montez-vous la garde? Donc un simple citoyen chargé de monter la garde, quel était votre rôle exact? Un civil ordinaire qui faisait partie d'un groupe inconnu dont on l'a retiré. Puisque, si j'en comprends bien, vous faisiez partie d'un groupe de civils ordinaires. Bien, revenons à ce deuxième incident où vous vous retrouvez menacé avec une arme et on vous dit de rentrer dans un groupe. On vous demande de faire quoi exactement? ខ្ញុំថាបងប្អូនមានបណ្ណអ្នកឲ្យបងប្អូនចង់ដូនមួយហើយឪពុកធំម្ដាយមីងហ្នឹងអស់ជាង20នាក់តែអញ្ចឹងគេបិទសភុនឹងចោលទៅគេដើរចាញ់ទៅគេថាអូមិត្តឯងនិយាយហ្នឹងនិយាយស្លាប់ខ្លួនឯងទេគេថាអញ្ចឹងគេគិតថាគេថាតែប៉ុណ្ណឹងគេដើរចាញ់វិញទៅ On vous a demandé quoi? On vous a demandé de rejoindre quel groupe? Pour faire quoi? Ce matin, si j'ai bien entendu, vous avez dit qu'on vous a demandé d'aller travailler la rizière. C'est ça ce qu'on doit comprendre? Vous êtes retrouvé pointé avec une arme parce qu'on vous demandait d'aller travailler à la rizière? Bien, alors revenons à ce moment-là. On pointe le fusil sur vous, on vous demande de faire quoi? D'être soldat pour faire quoi? Et donc, pour vous demander si vous voulez bien être soldat, il pointe le fusil sur vous. Pourquoi? Monsieur, en général, on pointe les fusils sur les gens qu'on veut arrêter.
Est-ce que ce jour-là, on a aussi cherché à vous arrêter? Qui sont ces îles? Qui vous a conduit à la commune? Qui vous a posé des questions sur votre biographie? Est-ce que ces personnes appartenaient au groupe des longues épées? Est-ce que vous vous souvenez qui étaient les responsables de la commune de Ping Chikong? Est-ce que le nom de Phip vous dit quelque chose? Phip. Une dame s'appelait Phip. P-H-E-A-P et qui était l'épouse d'un dénommé Khan. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien, revenons au repas que vous preniez à la cantine de Sambourmias. Si je comprends bien, vous avez pris ces repas à cette cantine pendant pratiquement toute la période du Kampuchea démocratique. Est-ce exact? Alors, si j'ai bien compris aussi ce que vous avez dit ce matin, vous avez dit que vous avez simplement remarqué l'arrestation de peut-être à deux ou trois reprises de deux ou trois personnes accompagnées par quelques enfants, mis à part le cas de l'arrestation des membres de votre famille. Est-ce que c'est bien ce que l'on doit comprendre ou est-ce qu'il y a eu plus d'arrestations? Est-ce qu'il vous arrivait, monsieur, quand vous déjeuniez à la cantine de Sambourmias, d'être dérangé par des odeurs nauséabondes? Vous pouvez nous rappeler où était située la cantine par rapport à la pagode? Bien, peut-être que Metson Haroun vérifiera sur les transcripts, mais il me semble que ce matin, j'avais entendu que c'était à 50 mètres de la pagode. Bien. Euh,
Je voudrais également revenir sur ce que vous avez dit lors de votre audition devant les co-juges d'instruction. Vous avez parlé de personnes qui avaient été transportées par bateau, qui étaient prisonniers et qui étaient attachés. Alors ce matin, il m'a semblé comprendre que vous disiez que vous n'aviez plus le souvenir d'avoir vu des bateaux avec des prisonniers arriver à Sambourmeas. Quels sont vos souvenirs précis concernant des prisonniers et des bateaux? Document E3, barre 52-57, ERN en français, 00-34-26-66-67, ERN en anglais, 00-25-10-16, ERN en khmer, 00-24-31-05. Question. Avez-vous vu qu'on arrêtait souvent des gens? Réponse. Des fois oui, des fois non. Question. Combien de fois aviez-vous vu qu'on débarquait des prisonniers et des bateaux? Réponse. Une fois. Comment saviez-vous que c'était des prisonniers? Réponse. On en avait parlé à la cantine. Question. Est-ce que ces gens étaient attachés? Réponse. Oui, on les attachait. Question. Comment étaient-ils attachés? Ils étaient attachés les bras en arrière. Question. Étaient-ils des hommes, des enfants, des femmes ou des enfants? Réponse. Il y en avait tout, hommes, femmes et enfants. Question. Y avait-il des petits-enfants? Oui, il y avait aussi des enfants. La population de cet endroit l'avait vu, tous, parce que c'était pendant le repas, et il y avait des centaines de personnes qui étaient là. Est-ce que parmi ces prisonniers, il y avait des chams? Réponse, je ne sais pas. J'aimerais comprendre, est-ce qu'il y avait des centaines de personnes qui prenaient leur repas à la cantine de Sambourmeas ou est-ce qu'il y avait des centaines de prisonniers? Et parmi ces personnes, est-ce qu'il y avait des gardes de sécurité qui travaillaient à la pagode de Wat Uthrakun? Est-ce que vous connaissiez des membres, des gardes de sécurité de la pagode de Wat Uthrakun? Est-ce que vous connaissiez un dénommé Mun qui habitait apparemment à Sambourmeas? Bien, eh bien, je crois que je n'ai plus de questions à vous poser, monsieur le témoin. Merci, monsieur le président. Bah, aku
ទីបន្តនេះដល់វិទ្យាជនទៅលោកមេធាវីលោកបច្ចកុពីដែលមានបំណងក្នុងការធ្វើសារណាបន្តទៅនឹងការសំណើសុំដាក់បង្ហាញដាក់ស្ដាប់ឯកសារថ្មីរបស់សហពាណិជ្ជកម្មដែលបានដាក់សំណើការពីម្សិលមិញឯកសារ E-366 Thank you, Mr. President. I'd be very happy to do so. However, I myself only have 5 minutes of questions to the witness. I believe, if I'm wrong, I'll be mistaken, surely. The accused upon him has also not many questions. So I think it would make more sense if I finish my questions and then have the witness go and then ដូច្នេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរសិនដោយសារថាក្រុមខ្ញុំតែ5 នាទីទេដូច្នេះសូមនិយាយអំពីបញ្ហានេះតាមក្រោយលោកប្រធានបាទអរគុណនៅព័ត៌មាននេះអញមានអនុញ្ញាតធ្វើដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកមេធាវី Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. Witness. As I said, I only have very few questions for you. Let me first start with the very last question that was put to you by Judge Levin about a man called Moon. You said you had not heard of such a person with that name. Can you think a little bit more about Moon, possibly a security guard at Bat Otakun? Moon, does that ring a bell? No problem, Mr. Witness. Earlier, you were also asked a question about something that Seng Srun had testified to. You called Seng Srun in your answer a soldier. Do you know whether Seng Srun was also a palm tree climber? សេងស្រុនគឺជាអ្នកឡើងថ្នោតដែរទេខ្ញុំអត់បានដឹងអត់តន់ស្គាល់គ្នាទេកាលនោះគឺសេងស្រុនគឺនៅដល់ខ្លួនខ្ញុំក៏ទៅបង្ការទៅបង្ការមកខ្ញុំអត់តន់ស្គាល់សេងស្រុននឹងទេប៉ុន្តែសេងស្រុននឹងអត់ដែរនៅផ្ទះទេគឺគាត់ទៅធ្វើទៅតប Just to be sure, I'm asking you a question about early 1977. Do you know perhaps whether Seng Srun at that time was a member of a palm tree climbers unit working close by Wat Otrakun? My next question, Mr. Witness, is something that you said in your statement, English page 4, English ERN 0025-1015, French 0034-2665, and Khmer 0024-3101. You said
in answer to the question as follows. The question is, why was this area where your house was? Why was this area a forbidden area used for security? And then you answer, because the Ottagun Pagoda was used as security office. And just but before you said they didn't allow people to live in the village. Can you explain it a little bit? Was there some kind of security parameter around Wat Ottagun where people or villagers were not allowed So there was a perimeter of 700 to 800 meters around the pagoda where people were not allowed to come. But was there an extra perimeter in such a way that they, as you said, did not allow people to live in the village? ចេញពីវត្តមកទលេទួលមកទលេរំងវត្តទួលមកទលេដល់វត្តរំងគេឲ្យចូល ខាងត្បូងមកទលេខាងជើងបង Miền phố miền thằng miền miền thằng cát hàng lạch But what was the width and the length of the total perimeter around the pagoda? Was it about 800 meters? Can you be a little more specific as to what distance people were not allowed to approach the pagoda? Okay, The water came and I told what he had the jam down in the bomb and out that I got from Banbo. That I could. By the way, no, you're not down at Band. Thank you, Mr. Witness. Last question. You have been answering some. You said that those three family members were arrested along with their entire family. ឈ្មោះលឹមសុននឹងគាត់ជាប្រជាជនចិត្ត 5 And just to be clear, they weren't Cham, they were Khmer, is that correct? Bành chẳng thà phụ ở cọt chẳng lúc cứ thăm mình mến chia chun chết Cham tê chia chun chết
khmai mên tê hay hai ban lục đặng tha chắp luôn nè tằng nô nhôm khơi nhôm hộp bài nó nhôm khơi But my question was they weren't Cham, គាត់មិនមែនជាជនជាតិចាមទេគឺថាជាជនជាតិខ្មែរដូចលោកចឹងដែរអញ្ចឹងមែនទេ បាទ And how many children were arrested with together with Thol Lim Srun and Yu Hang កូនប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងថុលលឹមស្រុនហើយនឹងយូហោហ្នឹងគឺគិតពីក្មេងៗដែលជាកូនហ្នឹងប៉ុន្មានអ្នកដែរចាប់ខ្លួនជាមួយអ្នកទាំងហ្នឹង យូហៅនោះគាត់តែម្នាក់គាត់ទេលឹមសុននោះកូនគាត់ 8 ថលនោះកូន 8 ដែរហើយម្ដាយធំខ្ញុំនោះកូន 6 ពុកមីខ្ញុំកូន 7 ហើយឈ្មោះខ្មៅឈ្មោះអឈ្មោះអីហ្នឹង កូន 4 ម្នាក់អានឹងខាងពុកខ្ញុំនៅខាងម្ដាយខ្ញុំភ្លេចដែរខាងម្ដាយនេះខាងពុក And all those children that you refer to were also not Now you said that they were arrested. Is it also possible that they were part of an evacuation from one place to another? នេះគឺដោយសារការចាប់ខ្លួននេះគឺក៏ដោយសារតែមូលហេតុនៃការជម្លៀសចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដែរឬយ៉ាងណា ចាប់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់នៅហ្នឹង គាត់នៅឃុំក៏បានចាប់ខ្លួនគាត់នោះ Have you ever heard later maybe after 79 why these family members with their wives and children had been arrested what was the reason for their arrest អាចលឺអំពីការចាប់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងនោះ តើ លោក ដឹង ទេ មូល ហេតុ អី បាន ជា គេ ចាប់ ខ្លួន អ្នក ទាំង នោះ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ដែរ Were there other occasions or other circumstances during which you saw people being arrested including their family members including children គ្រួសារនិងកូនៗអញ្ចឹងដែរទេ ដូចបាក់ស្មានដែរនោះដូចខ្ញុំថាខ្ញុំមិនសូវនៅផ្ទះ bị đánh nó bằng nhóm mặt tèo với nên nó ở bàn nếu nhóm tập chuột đây làm bà lại chăm thả cô dạ bài kê mà nẹ cô pi nâm chùa từng chụp từng ngày ở miền màu nơi tám phố bàn thì giờ hỏi ở đăng thì My last question, Mr. Witness, assuming for a second that you were right in what you said you saw, is it correct that when Khmer people were arrested, it could happen also that they were arrested together with their spouses and their children? And that it wasn't something typically for the arrest of Cham? ដោយគ្នានឹងប្រជាជនចាមដែរអញ្ចឹងដែរឬមិនមែនទេ សាក់សែងមកអត់ឆ្លើយតប សំជួយ សាប់នាយរងអន្តរជាតិ អឺ
Your Honour, I think it's a slightly unfair question because the witness said previously that he was unable to say whether or not Khmer people and their families were arrested. So it's really based on a premise that the witness hasn't put forward. If I may respond, Mr. President, I think the premise of the questions of the prosecution today was that he himself was a very active member of the Long Sword Militia. That's true or not. I think based on his experience and his knowledge of the particular period, I should be able to ask this question. Your Honor, the only problem with that is that he answered it in the previous question, saying that he was unaware of seeing other Khmer families and children other than the ones that he knew. Your បាទអង្គជំរះបដិសេធលើកដូចខ្ញុំទោះរបស់សាប្រញ្ញារងអន្តរជាតិឬបញ្ហាទំនួលនេះហើយតើតៃបើស្ដាប់យល់នៅចាំសំណួរដែលសួរឡើងដោយមេធាវីវិទ្យាកូពេចុងក្រោយមិញសូមលោកឆ្លើយតបមួយសំណួរហើយបើអត់ទេលោកសូមឲ្យលោកមេធាវីសួរទំនួលលោកអសាយចិត្តថ្មីម្ដងទៀតលោកចាំទំនួរទេអត់ចាំ Let me repeat it for you, Mr. Witness. I just asked you some questions about the arrest of close family members. You confirmed that they were arrested in the company of the spouses and children. Have you ever seen other arrests of Khmer men together with their spouses and children? And do you know whether this was something that in your period could also happen to Khmer and not typically to Cham families? ខ្ញុំមិនដែលឃើញថាជនជាតិខ្មែរគេចាប់ទាំងគ្រួសារទេពួកដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថាខ្ញុមិនដែលបាននៅភូមិទេខ្ញុំនៅទៅជួដីនៅនៅអីបឹងនោះទេនៅត្រូវមកខាងខាងនេះទេអត់មានដែលបានមិននៅផ្ទះទេ បានអរគុណបើលឹងដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីការសម្រាប់តាពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសហការមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការរួមរលកដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំនិងមានប្រាក់ស័យដល់សាក់ស័យរូបនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងគណៈមេធាវីប្រឹក្សាសាក់ស័យមកកាន់កន្លែងផ្ដោតសាក់ស័យកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សហការនេះនៅវេលាម៉ោង 3សម្រាប់ចុះ